Voilà, bonjour. Petit préalable dans le titre, hein, prise en charge médico-sociale, j'aurais préféré accompagnement. On est dans une période où on cherche à mettre en avant l'appropriation par la personne de son propre destin. Et donc, prise en charge, c'est quand même un peu une substitution. Mais, voilà, ceci étant dit, donc je vais vous parler un peu du point de vue d'une association de parents sur cet accompagnement. Alors, bon, quelques mots d'où je viens. Je suis le père d'une jeune femme de 45 ans qui est porteuse du syndrome de Prader-Willi, qui est l'aînée d'une fratrie de 3 enfants et qui a été diagnostiquée à 15 ans. Elle vit dans un foyer de vie depuis maintenant 20 ans. Et bon, je suis actif dans l'association Prader-Willi France depuis sa création en 2016. Alors, quelques mots rapides, hein, sur le syndrome de Prader-Willi. C'est une maladie neurodéveloppementale d'origine génétique non héréditaire. C'est une maladie rare qui est mieux connue aujourd'hui, mais en fait, l'expérience et la connaissance, elle est quand même en gros limitée au centre de référence et de compétences. On parlait tout à l'heure du PNDS. On a un PNDS depuis plusieurs années, mais on se rend compte que la diffusion et la connaissance du PNDS, elle est extrêmement limitée dans le milieu sanitaire en général, hors des centres de référence et de compétences. Donc, c'est une maladie complexe qui demande un accompagnement complexe. Bon, d'une part, la caractéristique essentielle et peut-être originale, c'est les troubles majeurs du comportement alimentaire. C'est une véritable addiction alimentaire. Des troubles cognitifs avec une déficience intellectuelle légère à modérée, des troubles du comportement, du déficit des compétences sociales, des troubles psychiatriques variables et qui s'accentuent à l'âge adulte. Donc vous voyez, c'est un tableau qui recouvre un certain nombre de caractéristiques qui rendent effectivement cet accompagnement particulièrement complexe et qui pose vraiment des vrais défis à toutes les équipes et aux familles. Alors, l'expression par ailleurs de la maladie est très variable, c'est une lésion au niveau de, ou une dysomie ou des translocations. Donc, en fait, on a tendance à dire maintenant qu'il y a plusieurs maladies derrière le syndrome de Prader-Willi avec cette expression très variable. Alors, cette slide-là, je l'ai empruntée à Vincent Desportes. Parents, mais pas seulement. Donc, il y a les parents et la famille. Il ne faut jamais oublier la famille, en particulier la fratrie et la personne handicapée. Et puis, autour, on va avoir les MDPH, le médico-social, le pédagogique et le sanitaire, donc les trois instances. Et puis, on va avoir le libéral, les CAMPS, les CESAL, les CMP, CHU, CHS, CAG, FAM, MAS, médico-social, IMP, IMPRO, ESAT, Éducation nationale, CLIS, ULIS, etc. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est un tableau que toutes les familles connaissent bien. Et c'est vrai que on est parents, mais pas seulement. D'ailleurs, avec le problème, souvent, que les parents ont tendance à oublier qu'ils sont parents, à se transformer en soignants, ce qui n'est pas forcément la meilleure stratégie. Alors, les parents, bon, ils ont un rôle et un positionnement qui est vraiment complexe. Bon, d'une part, ils ont un savoir profane individuel, hein, sur leur enfant, mais aussi collectif à travers l'association. Et c'est quand même une vision globale dans la vie quotidienne. Et, alors, effectivement, c'est pas la même vision que vont avoir les gens dans le médico-social, c'est pas la même vision qu'à l'école, etc. Et le problème, c'est d'arriver à mettre ensemble toutes ces visions pour avoir une approche un peu réelle de la complexité de la personne. Donc, ces parents, on est aussi porteurs de la parole de notre enfant ou de notre adulte, mais ça pose tout le problème de qu'est-ce que c'est que cette parole. Bon, c'est une parole qu'on porte, mais qu'on déforme aussi, hein, puisqu'on projette nos propres désirs sur l'enfant qu'on a, qui est notre enfant. Et cet enfant va intégrer aussi nos propres désirs, si bien que cette parole, elle est très brouillée, donc il faut la décoder. C'est une parole qui est chargée d'affect, d'espoir et de crainte. Et donc, il y a tout un travail qui est extrêmement important d'arriver à faire surgir les vrais désirs, hein, les vrais projets de la personne. Donc, on a par ailleurs la responsabilité de fait de la coordination du parcours de vie et son impact sur la fratrie. Donc, cette coordination de fait, c'est quelque chose qui est extrêmement lourd. Bon, tous les parents le savent. Et c'est effectivement un des axes de progrès majeurs pour les années à venir. Et puis, il y a une interrogation permanente, hein, sur le futur. Bon, on a maintenant, grâce à un meilleur accompagnement, une meilleure prise en charge, on a des personnes handicapées qui vieillissent, hein,
Et donc se pose le problème, et après nous, hein, et de, je sais qu'il y a beaucoup de familles qui disent « j'aimerais bien qu'ils ne nous survivent pas », parole difficile à entendre, mais que beaucoup de familles sont capables de dire. Et puis le dernier point que je voulais mentionner, c'est qu'il y a des très grandes inégalités de chance. Hein, alors, c'est-à-dire les accès aux ressources sur le territoire. Hein, bon, si vous êtes près de Toulouse ou si vous êtes en région parisienne près de Necker ou de la Pitié, bon, vous avez des centres de référence qui sont bien structurés, qui vous offrent des délais d'attente en consultation qui sont acceptables. Mais quand vous êtes dans d'autres endroits, c'est vraiment compliqué. Bon, il y a ça. Et puis, il y a les inégalités sociales. Hein. C'est, il y a des familles... Enfin, on voit encore actuellement des personnes qui ont, à l'âge adulte, qui ont été non diagnostiquées. Et c'est souvent des familles qui sont des situations sociales très difficiles, des familles monoparentales. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, actuellement, l'ensemble du tableau, c'est pas forcément toujours formidable, bien qu'il y ait eu, je l'ai déjà dit, énormément de progrès. Alors, un autre point aussi qui me paraît important, c'est de la naissance à l'avancée en âge, il y a vraiment des problématiques différentes. Donc, dans les premières années, il y a un très fort investissement des parents, bon, après l'annonce du diagnostic et toutes les informations qui vous tombent dessus de façon plus ou moins agréable et brutale. Bon, on se mobilise pour l'éveil, pour les acquisitions, pour les apprentissages. Et je dirais que c'est une période qui est plutôt gratifiante parce qu'on voit son enfant progresser, donc on a l'impression qu'on sert à quelque chose. Et cette période-là, elle est quand même en gros dominée par les aspects sanitaires. Bon, il y a un suivi régulier, il y a des interlocuteurs qu'on connaît, qu'on va suivre au fil des années, qui sont souvent identifiables et qui sont compétents maintenant. Alors, je mentionne quand même des problèmes récurrents avec l'éducation nationale et un environnement qui a du mal ou qui refuse à s'adapter. Si vous voulez, on est encore à essayer de faire entrer l'enfant dans le moule de l'éducation nationale au lieu d'adapter et de personnaliser, de faire, si vous voulez, du sur-mesure, alors qu'on fait quand même encore du cousu main. Alors, je devrais être plus nuancé, parce qu'il y a des tas d'endroits où ça se passe très bien, il y a des gens qui se mobilisent, mais ça repose encore trop sur des initiatives individuelles et sur des personnes, et c'est pas vraiment, si vous voulez, une prise en compte vraiment globale de ce qu'est d'inclure dans l'école une personne qui a un certain nombre de déficits. Alors, de la naissance à l'avancée en âge, bon, je vais maintenant la transition, la période la plus difficile, hein, c'est la transition vers l'âge adulte, qui est une période complètement cruciale. Bon, elle est quand même dominée par des problèmes liés au secteur médico-social. Hein. Bon, dans le cas du syndrome Prader-Willi, il y a une très grande méconnaissance dans le secteur médico-social. C'est un syndrome qui fait peur. Hein. Ce qu'on dit toujours, Prader-Willi, c'est très mauvais pour un CV dans le secteur médico-social. Troubles du comportement, compliqué, etc., violence. Par ailleurs, il y a une réelle pauvreté des solutions qu'on propose à ces personnes. Hein. C'est quoi? C'est foyer de vie plus ESAT ou foyer de vie... avec le problème que vous connaissez des ESAT à qui on demande de plus en plus de productivité, enfin qui... Bon. Et donc là, si vous voulez, cette période-là, c'est vraiment une période de révolte, hein, où les personnes disent « j'aime pas ma maladie et j'aime pas l'avenir qu'on me propose hein, ». Donc souvent, il y a des troubles psychiatriques à cette période-là, et la psychiatrie étant ce qu'elle est en France et telle qu'elle est structurée, quand on rentre dans ces circuits-là, ben, c'est souvent des ruptures extrêmement violentes. On commence avec des prescriptions de médicaments lourdes, et puis c'est très difficile d'en sortir. Donc là, il y a vraiment un point très important, parce qu'on devrait arriver à inclure un passage en psychiatrie dans un parcours de façon non dramatique, comme c'est le cas actuellement. Et pour les parents, c'est aussi une période difficile, parce qu'il faut évoluer, je le dis en raccourci, du maternage à l'accompagnement par des tiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les lâche, nos mômes. Et bon, lâcher ses enfants, c'est toujours difficile, mais les lâcher, eux, c'est encore plus difficile. Donc là, il y a un travail aussi qu'en tant qu'association, on doit faire pour préparer les parents à se dire « mais il faudra qu'ils aient une vie loin de nous, un peu loin de nous, et de plus en plus loin de nous avec le temps ». Alors, les questions nouvelles liées au vieillissement, j'en ai dit deux mots. Si vous voulez, actuellement, malheureusement, si je parle des foyers, parce que la plupart des personnes avec le syndrome, ils sont soit dans leur famille, hein, ce qui n'est pas une solution, soit dans des foyers,
Le problème, c'est que quand il y a une place, on dit « voilà, il y a une place ». Et c'est très difficile, parce qu'on n'est pas structuré en France, d'anticiper et de faire évoluer l'accompagnement de la personne avec son âge, de diminuer, par exemple, la charge de travail, de l'adapter dans des ESAT avec la fatigabilité, d'avoir un niveau d'activité qui... Bon, c'est des vieillissements qu'on connaît mal, hein, parce qu'on n'a pas assez de recul, mais pour moi, c'est un chantier extrêmement important. Alors, on a aussi des nouvelles exigences, hein, grâce, si vous voulez, aux progrès indéniables qui ont été faits dans l'accompagnement des jeunes enfants. Bon, on a toujours quand même des grandes difficultés à parler et à faire travailler ensemble les différents acteurs de l'accompagnement. Et beaucoup d'inégalités sur le territoire, je l'ai dit. On a aussi des vies d'adultes difficiles, hein, j'en ai dit aussi deux mots, et une très grande connaissance dans le secteur du syndrome, dans le secteur médico-social. Si vous voulez, en gros, actuellement, par rapport à la situation qu'il y a 20 ans, on sait quand même de plus en plus de choses, hein, et on devrait, avec les connaissances dont on dispose et les structures qui existent, on devrait pouvoir faire beaucoup mieux que ce que l'on fait actuellement. Si on prend les problèmes de communication, les déficits cognitifs, on n'est plus, comme il y a 20 ans, complètement dans le flou par rapport à ça. Alors, par ailleurs, le secteur médico-social, bon, c'est une nébuleuse. Il y a des acteurs multiples. C'est qui le médico-social? C'est la MDPH, c'est les associations gestionnaires, c'est... Voilà. Donc, il y a des acteurs multiples, de formation et de connaissances très inégales. Il y a des gens qui viennent plutôt de la... de la rééducation, qui sont dans l'idée de remettre dans la norme la personne au lieu de prendre en compte sa différence. Bon, y a beaucoup de travail à faire là-dedans. Il y a des rapports institutions-famille qui sont souvent complexes et souvent conflictuels. On ne confie pas de gaieté de cœur son enfant à une institution. On le fait actuellement un peu par défaut, parce qu'on a avec un sentiment d'échec, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir pu faire mieux. Donc, si vous voulez, d'emblée, ça ne met pas des relations faciles entre un établissement qui dit aussi « ses parents, ils vont nous apprendre ce que c'est ». Bon, il y a encore des établissements qui disent « c'est pas la peine que vous nous parliez de la maladie, on découvrira par nous-mêmes ». Bon, si vous voulez, là aussi, c'est des modes de collaboration qui sont quand même pas terribles. Donc, c'est une méconnaissance mutuelle aussi. Hein, je veux dire, les familles aussi... n'ont pas une bonne représentation de ce qu'est un établissement médico-social ou une structure médico-sociale, de ce qu'est la difficulté de faire coexister ou cohabiter de façon harmonieuse des personnes avec des pathologies extrêmement variées et différentes, avec des moyens qui sont même souvent limités. Voilà. Donc, si vous voulez, il faut s'apprivoiser, et pour s'apprivoiser, il faut du temps. Et puis le dernier point que j'ai mentionné, c'est que souvent, il y a quand même des troubles de type psychiatrique, et les établissements médico-sociaux ont pratiquement un support extrêmement faible de la part du secteur psychiatrique. Elles se sentent complètement démunies, d'où la crainte qu'elles ont et à accueillir des personnes avec des troubles d'origine psychiatrique possibles. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, c'est simple. Hein, quand vous avez un problème à résoudre, vous réunissez tous les gens qui ont un petit peu quelque chose à dire sur le problème, et puis vous dire, bon, comment on fait pour trouver la solution? Alors, ça paraît tout bête, mais si vous voulez, c'est ce qu'on a beaucoup de mal à faire. Hein, donc, l'idée, c'est quoi? Il faut mettre effectivement autour d'une table toutes les personnes concernées par l'accompagnement, y compris la personne, et puis l'écouter. Hein, écouter la famille et ses souhaits, prendre le temps de se connaître, définir les rôles et les responsabilités de chacun. On parlait de la santé tout à l'heure. Par exemple, il faut bien définir quand la personne est dans un foyer, elle est chez elle dans le foyer. Donc le foyer va être capable d'assurer normalement le suivi médical et de s'organiser pour les consultations, etc. Donc ça, c'est des choses qui doivent être définies clairement pour qu'on ne découvre pas brutalement que, voilà, on a emmené votre enfant en consultation sans vous avoir prévenu, vous sans avoir dit avant, écoutez... ça, on le prend en charge. Bon, voilà, il y a pas mal de choses. Construire ensemble le parcours de vie, bon, ça, c'est, si vous voulez, ça a été largement dit dans le rapport FIFTO, hein, cette notion de parcours. C'est pas des parcours types. Hein, ça serait ça le grand danger d'interpréter le rapport FIFTO en disant qu'il faut avoir des parcours types. Hein, au contraire, hein, c'est vraiment du sur-mesure, encore une fois, en prenant en compte l'histoire de sa personne et de sa famille. Hein, il faut regarder les possibles, il faut être réaliste. En s'appuyant sur une évaluation des limites, mais aussi des capacités de la personne.
Alors, je crois que dans notre domaine, là, c'est un domaine où on a un secteur dans lequel on a énormément d'avancées possibles. On connaît, on sait de plus en plus les déficiences, les déficits, mais on sait très mal utiliser les potentialités qu'ont les personnes, leurs véritables ressources, pour arriver à construire, à s'appuyer sur ces ressources, pour arriver à construire des parcours de vie intéressants. Il faut réévaluer également régulièrement ces parcours, chose qu'on ne fait pas souvent. Une fois qu'on est dans un endroit, on est content d'avoir une solution, et puis tant que ça ne pète pas, on continue comme ça. Il faut anticiper ces évolutions. En partageant les connaissances de chacun des acteurs, bon, ça également. Nouer des liens, des rencontres entre tous les acteurs, famille, sanitaire et médico-social, bon, c'est ce fameux tour de table dont j'ai parlé, et structurer les échanges nécessaires. Il ne faut pas uniquement dire, voilà, on va se rencontrer à l'occasion d'un accompagnement de l'enfant ou de l'adulte dans la structure. Il faut organiser ces rencontres et puis parler avec des vrais échanges. Donc, les priorités, une urgence, la formation des acteurs. Donc, nous, on fait, en tant qu'association, on a un numéro d'agrément. On fait, sur la base d'un support qui a été réalisé avec le centre de référence, on fait des actions de formation. On en fait à peu près une 20 à 25 par an. Bon, on s'appuie sur le guide des pratiques partagées qui a été co-construit avec les familles, les professionnels du centre de référence et du secteur médico-social et qui est mis à jour et complété en fonction des échanges au cours des formations qu'on fait et également du progrès des connaissances. Donc cette formation, alors pourquoi j'ai fait deux fois ? Oui, en s'attachant aux spécifiques liés au syndrome, mais au-delà en mettant en évidence ce qui est mutualisable. Et dans les interventions qu'on fait, le personnel des établissements et des structures nous dit « mais 80% de ce que vous nous dites, ben, ça s'applique à énormément d'autres pathologies ». Alors, intervenir dans les formations initiales, je crois aussi que c'est un axe extrêmement important. Le personnel médico-social, il faut être à l'amont des formations pour qu'il arrive. Alors, il ne va pas connaître toutes les pathologies, mais il y a quand même des problèmes qui sont très transverses dans toutes les pathologies avec déficience intellectuelle, en particulier, on le disait tout à l'heure, tout ce qui concerne la communication. Toucher plus d'acteurs, mais comment ? Bon, voilà. Donc, avec les équipes relais handicap rares, on commence à avoir des leviers qui permettent de toucher d'un seul coup toute une population du secteur médico-social. Bon, le guide des pratiques partagées, j'en ai parlé, vous aurez le lien si vous voulez aller le voir. C'est quelque chose qui actuellement, si vous voulez, ça fait 2 ans qu'il est en ligne, et actuellement on tourne au rythme de 20 à 30 consultations par jour, ce qui est énorme quand même par rapport à la population concernée. Donc la collaboration entre les secteurs sanitaires et médico-social, bon, je crois que c'est un point clé. Pour les structures et établissements médico-sociaux, il faut pouvoir s'appuyer sur une équipe ressources pluridisciplinaire, mobilisable en cas de problème et qui intègre la psychiatrie. Bon, voilà, je crois que j'ai mis tout ce que je voulais mettre là, avec un point d'entrée connu, des rencontres physiques ou virtuelles, des partages d'informations. Il faut arriver à ça. Sur le papier, c'est quand même simple, quoi. Créer des temps de travail communs avec les familles, penser des évolutions des modes d'accompagnement. Là aussi, si on n'est quand même pas très inventif. On a 3 millions de chômeurs et puis on continue à dire comment on fait pour intégrer les gens dans des ESAT avec des boulots qui sont maintenant pris par Amazon, qui vous propose en ligne des boulots pour faire le boulot typique des ESAT. Donc c'est quoi le modèle économique des ESAT ? Faudrait qu'on anticipe avant qu'il ait explosé complètement. Alors je terminerai par le rôle des associations. Bon, je crois qu'on a un rôle essentiel de médiation, de par la connaissance globale qu'on a des différents acteurs, de leur diversité, de leurs difficultés. De par la connaissance de la personne dans son environnement quotidien, c'est quand même, si vous voulez, cette vision holistique de la personne qui est quand même essentielle, mais avec le problème de la prise de distance nécessaire par rapport aux situations individuelles. Si vous voulez, l'empathie, c'est pas non plus de retransmettre toutes les difficultés qu'on a. Il faut prendre cette distance nécessaire. Par contre, on est porteur d'une exigence absolue de construire un avenir meilleur et digne pour les personnes handicapées au-delà des contraintes et des difficultés, dans une approche de co-construction. Voilà, bon, je termine par deux petites phrases. Bon, le temps des familles n'est pas le temps de l'administration. Si vous voulez, on est pressé. Les choses avancent, mais elles avanceront toujours trop lentement.
Et c'est vrai que quand on voit les plans, les structures, les schémas, etc., on se dit voilà. Et puis, peut-être Guillaume Apollinaire pour finir. Merci François.